Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour l'épisode numéro 7 de notre Let's Play sur Pokémon Solar Light et Lunar Dark. On est donc reparti pour cette aventure. Nous sommes en direction de la prochaine arène qui sera donc la cinquième. Elle se trouve à High Point City. La dernière fois, on était un petit peu dans le mal sur ce pont là où nous sommes justement, puisque les dresseurs qu'on a un peu enchaînés, on se rend compte que les niveaux sont un peu justes. On s'est fait un peu ouvrir en deux, mais on n'a pas fini en plus. Mais on va continuer, évidemment, au moins ça fait de l'entraînement pour les Pokémon. Alors, Rubeo. Je pense qu'on va mettre Pouldog. Combat seul. Lavendel. C'est type quoi? C'est type plante ça? Ouais, un peu de cher. Il va. Magical Leap. Ça, ça va. Oxygène. On va mettre Dartoile. Il est très beau ce Pokémon en vrai. Tel Whip. Ouais, dégâts. Hein. Évolution du piaf. Donc on va voir qui. Ouais, il est vraiment pas beau. Hein. Butsoar. Entre le nom et le design. Bon, c'est notre Shiny, hein, c'est notre duo protecteur, on va dire. Alors, Socialite, Petra, on va d'Overte. Oh, c'est T-Bolt ça, non? Ouf, ou critique. Pourriture. C'est type quoi ça? Faut que je cherche encore. Pourriture. C'est un Pokémon de type sol. Alors on peut pas le toucher et il ne touche pas avec cet axon non plus, je veux dire. Avec Pouldog. Ouais, c'est le Pokémon qu'on a affronté à la quatrième arène. C'est vrai. Purio. Alors, Flamburst. Raid. Ouf. Dans la cité, c'est pas vraiment bien.
Oh les dégâts. Xenobolo. Ce truc qui m'avait fait mal hein, la dernière fois. Dodon. Ecobuzz. On va mettre Dartoad. Ça va, ça se compense bien. Leaf Tornado. Ah, Leaf Edge était physique. C'est ça qu'il faisait pas, il faisait pas mal avec. Je me mettais bien, ouais. Ça, c'est Roche Psy. Je commence à m'y habituer au type. Ouh, il a pas. Ah ouais, les dégâts sont pas des mêmes. Ancienne Power. Ça fait absolument rien et il va dégager le Eclipo. Ensuite c'est quoi? Reshoot. Elle a 3000 Pokémon, c'est comment ah, on peut mettre le Purium, c'est dangereux. Ouais, on va taper une attaque. Ah bah non mais oui. Oh le coup critique. Widox. C'est quoi Widox? Ah c'est ça. On va switcher sur Purion. La Poison Fang. Ah le poison. Bah oui évidemment on l'attendait. Bon c'est pas très grand là. On va balancer une attaque. Ah, on a battu tous les 10. Lucky Egg! Oh! C'est excellent ça! Qu'est-ce que j'ai fait? Docking Port. Ah oui, c'est là où le gars voulait qu'on s'affronte. Donc là, il n'y a pas d'arène. Hein. Ah non, c'est pas ici, c'est la ville d'après. C'est quoi ça? Un psytrick. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un Pokémon qui traîne comme ça. Attends, c'est, je sais pas ce que c'est. C'est psy électrique. Il a Foreign Prompt Store en talent caché. Ah, les stats sont pas ouf. Hein. Ah non, c'est pas. Bah, psy électrique, c'est pas ouf non. C'est pas incroyable, ah non, dirons-nous. Samy, tiens. On appelle Seller Samy, d'accord. À travers le Waited City, d'accord. Ah, il a pas dû les quitter de son bateau. Ah, ça, il est à Iphone City, d'accord. Ça va
Il faut aller à l'arène, enfin à l'arène, à la ville de l'arène. Ah tiens. Alors, montre-moi tes talents, mon ami. Rexit. C'est quoi Rexit? C'est Rochefeu. On va envoyer ceci. Pourquoi est-ce que j'ai pas mis ce poké? Je ne sais pas. Je suis pas réveillé là. Concentre-toi. Donc là, bah là, oui. J'ai perdu mon poké bêtement pour rien. Putain, c'est pas possible. Spring. Ça fait Steel Wings sur un typo. Oh putain! Dynamite. Mince. Je me suis trompé d'attaque! Oh putain, les dégâts! Iron Head. Ces Pokémon sont des chips ou quoi? Il n'y a pas tant de niveau d'écart que ça, hein, quand même. Parafule. Ouh les dégâts. Waouh, ben putain. Il se fait un petit peu défoncer, hein. C'est dommage qu'on ait perdu notre Poké, hein, Lori XP. Bon, tu t'es fait déboîter la gueule. Là, c'est clair. Allez, on go l'arène. La cinquième arène. Et donc, la cinquième arène, en fait, elle est de type feu. Ceux qui ne le savent pas. Et oui. Alors, route 6. Mouston. Alors, je vais regarder à chaque fois, hein, du coup. Mouston, c'est ça? C'est un type normal roche. C'est un type très étrange, mais ouais, ça me détend. Type qui n'existe pas, hein, d'ailleurs. Niveau 27, what? Mais pourquoi ils font... Ils se font défoncer la gueule. Le passé. Metal Sound. Ça peut avoir dans certains cas. Irimp. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc moche? Alors attendez. Irimp. C'est un type acier vol. Oh, ah, faut deviner. Hein. Acier, j'aurais peut-être deviné. Vol, pas, faire, pas forcément. Hein. On dirait une boule de je sais pas quoi qui flotte. Ça vaut pas rien. Hein. Non, je pense qu'on est bien d'accord là-dessus. Ah, il y a des CT en bas. Putain. Oh, c'est quoi? Barval. Qu'est-ce que c'est que cette merde?
Oh la vache. J'étais pas sûr s'il était. Putain, c'est une chips hein, mon poké quand même. La moindre erreur de poké, tu te fais déboîter ton truc. Hein. Après, c'est si peu. Hein. Ah, c'est dommage, on a perdu notre Pokémon pour rien. Ah, on peut pas passer par là, d'accord. Bah on va là. Dis-moi que c'est une bonne CT. Vénochoc. Bof bof hein. Il y a une autre capacité ici. On peut pas descendre en bas ? Ouais. Ça fait bizarre que ce soit des musiques de la 4G. Ça n'a, en fait, ça n'a aucune cohérence avec le jeu. Parce que tu passes de la musique du jeu à ça, en fait. Donc, tu comprends pas trop pourquoi. Oh, bon, pas. Oh, pouf. Qu'est-ce que c'est tapir ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? On dirait un flamanoir en plus moche. C'est possible, ça ? Alors attends, parce que j'en ai marre d'avoir les Pokémon qui pop tout le temps là. Bright Powder, je ne sais pas ce que c'est ça. Alors, Backpacker Kara, on va Houston. Bon. Donc du coup, c'est Roche. Hein. Normal Roche. Pas mal. Ça, c'est Roche. Ah. C'est type... Ah, c'est type acier. Attends. On va mettre ça. C'est acier poison peut-être. Yeah, ouais. Bon, arrête de stacker des picots s'il te plaît. Tu m'arrangeras. Allez, on dégage. Moi du haut. Barbal. Irimp. On va switcher sur Cool Dog. On va faire Dusty Dash sur un. Ah oui, ah oui, ça c'était censé toucher les deux. Vraiment, les fake balls les plus beaux des fan games, c'est Uranium. Je pense qu'il n'y a rien dessus.
Polish. Mais pourquoi Rock Polish? J'en fous de Rock Polish. Attends. Ah. Qu'est-ce que c'est encore? Oh non, putain, tu peux pas me laisser pas marcher, s'il te plaît? Comment vas-tu? Mais je m'en fous! Laisse-moi tranquille! Ah non, mais putain! Casse-couille! Casse-couille, cette meuf! Tu peux pas tracer ton chemin, c'est pas... Laisse-moi tranquille! Elle comprend pas ce que ça veut dire, je crois. Allez, ça dégage, tu vois. Ah, je vais me défouler sur toi, là, je te préviens. Nimblo. Des dégâts de beat. Allez, qu'est-ce qu'on... Bah, on va mettre ça. Bah, elle a mis la reine en même temps, donc autant en profiter. J'ai envie de dire. Regarde, tu fais... C'est quoi ces dégâts? Tu restes... Tu peux pas te respecter un petit peu, là. Allez, hop, ça, ça dégage. Forstone. Ah oui, ça. Attends. Jamais il one-shot mon poké. Il a mis un coup critique. Mais ça ne tuait pas avec le coup critique. Bon, ça ne tuait pas. Non. Quand même, hein. Je t'ai sous-estimé. L'arène stop, puis poule. Mais elle est une copieuse là. Mais peu importe parce que j'ai mon ami. N'anticipe pas, madame. Ah, tu te doutais bien que j'allais remettre mon type plante. Adieu. Et c'est quoi? Pixie, pipi, machin. Ok. Oh, ça t'anticipe Powder. Ah, voilà, c'est... Bah, si Flamme, ça marchait sur moi et... Si Powder, il peut... Faudrait savoir. Hein. C'est un psycho, ce truc. Ah, t'es même pas capable de tuer, heureusement, mais... Bon. Tu t'es fait défoncer. Voilà, c'est à comprendre ce que ça veut dire. Voilà. Maintenant, je t'en prie, tu traces ton chemin. Plus loin. Oui. Et tu fais ta vie, moi je vis la mienne. Bonne chance, merci. Toi aussi, et laisse-moi. Juste laisse-moi tranquille. Merci. Will-O-Wisp. Ah, ils vont pas me lâcher, hein. Bird Keeper. Ah bah tiens. Là. Parafoule. Et de 1 et de 2. Max Elixir. Golemo. Ce n'est pas suffisant. Au revoir. Oh, top.
Sauf que c'est des trempages, je crois, non? Ça rend le... Enfin, par sauf que le Pokémon inverse de type O, il me semble. Bah là, j'aurais pu essayer, là. Alors, il a une double faiblesse au type combat. Alors, à moi qui me dépasse. Ah, même la double faiblesse ne suffisait pas. J'ai tapé trois fois pour le passer. Faudrait qu'il évolue. Hein. Ouais. Attends, il y a des items en bas. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la CT. Ah, j'ai besoin d'une capacité intéressante là. Mais par où? Ah, Rousse, c'est atterrissage! Pardon, j'ai compris autre chose. Alors, Rousse, pour le coup, oui. Sur le piaf. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut apprendre atterrissage. Ah, oui, que. Attends, c'est pas illogique. Si, c'est de la merde, clairement. Il a un setup et du soin. Donc du coup, on va devoir trouver la reine. Alors, le mont High Point. Oh. Ah. Mon devoir en tant que champion d'arène, ouais. On va aller voir. Du coup, on a croisé la championne d'arène, sans le voir. Attends, parce que là, je suis en train de me perdre. Allez, on monte. Oh! Évidemment. Ah, c'est la team Solar. Et bienvenue, vous êtes historien, professeur Émérite Aline. Et nous vous dédicacez dans la tête de vos
Oh, lance-flamme! Parfait ça. Et surtout l'accès à l'école qui n'est désormais autorisé que jusqu'à 12 ans pour les petites filles, 10 ans dans certaines provinces. Et dans cette nuit qui s'abat sur les Afghans, pour reprendre l'expression de notre invité Solène Chalon-Fioretti, une petite lueur d'espoir continue à vibrer à travers les ondes. C'est une radio. Éducation et apprentissage par la radio. Ça résistait au type feu. Par contre, ils sont un peu défoncés. Oh, attends. Je vais voir les rares quand il y en a deux. Voilà, on va avoir notre Pokémon évolué. Ah, je l'attendais. Oh, il est trop beau. Alors, Dinopion. On va prendre Dragon Claw. On va prendre. Ah, c'est l'ancienne puissance de Gon. Je crois que c'est. Avec 15 de puissance, c'est l'ancienne. Il faudrait qu'il ait gonflette ou dans un Draco. Plutôt qu'il ait accès à dans un Draco. Et oui, bon. Allez, à nous. Allez, tu vas nous montrer ta nouvelle puissance. Hippo. Allez hop, et de une. Thank you.
en fait, c'est sur cette subtilité que ça puisse être radio. C'est-à-dire que l'État de loi interdise la scolarité. C'est-à-dire que l'État de loi interdise l'école. Vous n'avez pas le droit d'aller à l'école. Ce qui les dérange dans l'école, au-delà du corpus bien sûr scolaire, qui de toute façon pose problème à l'initialement et à sa contrôle, il faut refaire les corpus scolaires et bien sûr les livres, etc. Mais au-delà de ça, vraiment, ce qui les dérange profondément, qui fait que ces garçons-là n'aient pas de filles, vraiment le trajet. On va se moquer d'eux, les combattre tout seul, c'est ça l'idée. Oh, le poison sur le switch, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui peut gérer Alors, attends. C'est un petit poison. Automotro. C'est l'évolution de la boule explosive. L'affronter maintenant. Il faut que je réutilise le multi-exp. Ce qui fait que ces qui ont cette radio extraordinaire, leur radio qui commence à émerger dans tous les pays.
Non, je peux pas aller soigner mes poké, là, genre. On parle qu'il a traversé mon Pokémon passé. Ça, c'est des performances graphiques limites. Bon. Je pense que les mecs ont codé ça, ils n'y ont pas touché depuis un moment. Je pense qu'ils avaient plus trop l'envie. Maintenant qu'on a le starter qui a complètement évolué, c'est on est bon là. Il y a que, tout le monde a, ah non, il n'y a que lui qui doit évoluer. C'est quoi, c'est niveau 42 il me semble qu'il évolue. Niveau 42, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut essayer de le valoriser un peu ce truc. Alors l'arène de type feu. Et toi tu me donnes plus d'eau fraîche hein. Bon là il fait chaud hein. Ah, il m'a donné un anti-brûle. Ouais, tu me diras. Pas si pire. Ah, attends, il y a des... C'est quoi ça? Jacqueline va griser là. C'est à nous. Incarne Nolan en bas au top. Pardon. Elle ne s'attaque pas à l'interprétation des talibans du Coran, elle parle
du Coran tel qu'elle l'a appris elle, on n'a pas pu passer tout sonore, mais tel qu'elle l'a appris elle, à l'université de Kaboul, dans le département des sciences islamiques. Elle fait toujours très attention à se référer au texte coranique et non pas à la diverse interprétation, mais elle sait que c'est sans doute d'ailleurs l'émission la plus écoutée du programme. Elle sait qu'elle peut recevoir un téléphone. Pour l'instant, elle ne l'a pas reçu, mais je peux vous assurer, parce que j'ai passé beaucoup de temps avec elle, que j'ai connu depuis de nombreuses années, c'est quelqu'un qui passe des heures à préparer chaque mot qui va être prononcé. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Une vidéo un peu longue. Ouais, on va s'arrêter là. La prochaine fois, on finira la reine et puis on se dirigera vers la suivante, la sixième du coup ensuite. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement, bien sûr, pour la suite. Allez, à très vite.